En ce moment même, hier pour la première soirée, c'est un groupe originaire de Tanger qui est monté sur scène. Le groupe El Ouda puise dans le patrimoine artistique marocain. Je propose de les découvrir avec Abdallah Eitsabia et Samia Harissi pour le commentaire. Le Samer, chant spirituel par excellence, est le patrimoine commun des musulmans des quatre coins du monde. De la Turquie à l'Azerbaïdjan, en passant par l'Afrique et l'Indonésie, ce registre musical sacré revêt des couleurs et des rythmes différents. Le groupe tangérois El Houda El Mghribia a choisi, lui, de puiser dans les sources du Samer originel marocain. Nous présentons ce soir des chants sacrés marocains. Nous essayons de préserver ce patrimoine musical parce que nous sentons qu'il est un peu délaissé. Un public de connaisseurs a assisté hier soir à la première nuit soufi ramadanesque organisée par la Villa des Arts de Casablanca. Une nourriture de l'esprit qui fait naître joie et sérénité. Le Samaa nourrit l'âme. Pendant ce mois sacré, nous essayons d'exprimer le plus souvent possible nos louanges à Dieu. Ces soirées nous plongent au cœur de notre patrimoine. Nous portons le costume marocain typique pour l'occasion. Pour pouvoir me sentir bien, c'est harmonieux, l'endroit est joli, le décor est zen. Le groupe El Houda El Mghribia, spécialisé dans l'art des mouachahats, a également fait vibrer le public du Festival des musiques sacrées à Fès. La semaine prochaine, la deuxième nuit soufie est consacrée à Marwan Haji, dont le registre marie musique andalouse et rythme sacré. Avant de clôturer ce journal, revenons sur l'une des principales informations que nous avons développées.